Ici, comme on sait que les premières équipes ici, c'est lui les favoris. Donc, il est impossible qu'il ne marque pas même un but. Comme ses premières options nous proposent les scores de 0-2. Et nous, on sait que l'équipe favorite, c'est les premiers joueurs ici. Donc, serait un peu compliqué pour lui de ne pas marquer même un but, qu'on puisse lui marquer des buts. C'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On barre cette option. Alors, pour ça, on va se concentrer seulement sur ces deux options ici. Vous comprenez? Salut la team, vous êtes les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose concernant les basketball et une autre chose concernant les tennis de table qui sont très très importants. Alors, sans perdre de temps, commençons. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que j'ai déjà parlé de cette option, mais je vais juste vous montrer rapidement l'option que vous pouvez prendre à chaque fois que vous voulez parier sur les basketball. D'accord? C'est une bonne caractéristique du marché et j'ai fait quelques petites recherches à ce sujet et j'ai constaté que c'est très très rentable. Donc voilà, la dernière fois j'ai expliqué quelque chose concernant les points et comment ils sont obtenus dans le basketball. Les points sont accumulés grâce aux tirs sur le terrain. Un tir sur le terrain vaut 2 points dans la plupart des cas s'il fait à l'intérieur de la ligne 2, 3 points ou 3 points s'il fait à l'extérieur de la ligne des 3 points. J'ai expliqué beaucoup de choses à ce sujet et j'ai donné beaucoup de détails dans une de nos vidéos. Donc, il y a plusieurs façons d'obtenir des points à la fin d'une mi-temps en particulier. Il y a beaucoup de points qui peuvent être obtenus. En général, j'ai pu analyser et voir que dans les matchs à faible score, les points accumulés pendant une mi-temps se situent entre 30 et 40 dans la majorité des championnats. Dans les matchs à score moyen, il se situe entre 40 et 50 et dans les matchs à haut score, il se situe toujours entre 50 et 60. Parfois, cela peut dépasser. Et nous, on va utiliser cela à notre avantage. Donc, dans ce marché particulier, je vous propose de choisir cette option chaque mi-temps au-dessus des 86,5 points. Choisissez tout simplement non. En choisissant non, assurez-vous même de respecter quelques conditions, donc quelques critères pour que cela puisse fonctionner correctement. D'accord? Vous savez, ces fonctionnalités ne sont pas comme la plupart des fonctionnalités du football. Celles-ci sont plus faciles pour faire du profit que la plupart des fonctionnalités du football. Alors, si vous venez ici, vous sélectionnez cela, quel que soit le jeu que vous choisissez, assurez-vous juste de suivre quelques points que je souligne ici. Surtout, vous devriez vérifier la force des équipes, vérifier si celle-ci ne marque pas beaucoup. Parce que plus ils marquent de buts, plus ils vont accumuler beaucoup de points. J'espère que vous comprenez cela. Donc, vous allez choisir moins de 86,5. D'accord? Passons maintenant rapidement au tennis de table. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai pour vous. Ici, vous sélectionnez le tennis de table. Et puis choisissez Ligue Pro. Et puis Pro League. Très bien. Je vais utiliser ce match particulier pour vous montrer cela. Dans ce cas, vous remarquez que ce gars a une cote très basse comparée à cet autre gars. Ce qui montre que le marché favorise cette personne. Montrant que cette personne est plus forte que l'autre. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas? Si vous sélectionnez des matchs où la cote de victoire d'une équipe est vraiment basse, tout d'abord, l'option dont nous allons parler est le total de 7. Dans ce marché particulier, le total de 7 sera supérieur à 3,5 et ensuite inférieur à 4,5. Car pour les pro league, le nombre maximum de 7 est de 5. Si une équipe gagne les 3 sets, cela se termine à 3. Si une autre équipe gagne, cela peut aller à 4 sets, etc. Alors, ça c'est la première astuce. Et pour la deuxième astuce sur le tennis de table. Alors, laisse-moi choisir un match en direct pour vous montrer quelque chose sur le Ligue Pro et puis Pro League. Une fois vous êtes dans la section des matchs en direct, qu'est-ce que vous
allez remarquer. Par exemple, je prends ce match. Vous comprenez? Par exemple, je prends ce match. Et vous allez remarquer que ce match a déjà joué 2 sets. Alors là, il se prépare pour jouer le 3e set. Et c'est pourquoi je vous ai dit, il faut regarder d'abord à l'écoute. Comme par exemple, aussi ce match. Bon, ce match n'est pas encore débuté. Donc, je prends. Donc, c'est un peu la même chose. Comme ce match que je vous ai présenté, vous avez remarqué au niveau des côtes entre les deux joueurs, il y a une très grosse écart entre les deux. Alors pour ces matchs, choisissez le moins de 7. Vous comprenez, choisissez le moins de 7. Et pour la deuxième astuce, la deuxième option, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez descendre ici en bas et jusqu'à ce que vous allez trouver score après 2-7. Ici, comme on sait que les premières équipes ici, c'est lui les favoris. Donc il est impossible qu'il ne marque pas même un but. Comme ces premières options nous proposent les scores de 0-2, et nous on sait que l'équipe favori c'est les premiers joueurs ici. Donc serait un peu compliqué pour lui de ne pas marquer même un but, qu'on puisse lui marquer des buts. C'est impossible. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On barre cette option. Alors pour ça, on va se concentrer seulement sur ces deux options ici. Vous comprenez? Ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre les dernières options ici et les premières et les deuxièmes. Vous allez prendre les troisièmes options ici et les deuxièmes options. Vous comprenez? Vous allez prendre ces deux options ici. Ici, je peux vous conseiller de prendre les troisième option ici parce que c'est le préféré, c'est lui que j'utilise à tout moment. Alors pour celles qui veulent vraiment minimiser les risques, qu'est-ce que vous allez faire? Par exemple, vous avez un 5000 dans votre compte. Vous allez placer ici un 1000 francs et ici un 1000 francs. Et lorsque parmi ces deux options, il y a une qui va passer, vous n'allez pas perdre votre argent. Vous allez récupérer votre argent. Cependant, si vous avez des chances et que ça tombe sur la troisième option ici, vous allez gagner beaucoup de bénéfices. Et si ici ça rate, vous allez gagner sur la deuxième option, mais vous allez récupérer les 1000 francs que vous allez miser sur la troisième option et vous allez pas perdre votre argent. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit pour celles qui veulent vraiment minimiser les risques sur leur pari. Tu veux avoir un compte bien certifié? Utilisez le code promo 3MAS et plus 300% de bonus sur votre premier dépôt. Clique sur cette vidéo.